Communiqué numéro 1. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kabore à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kabore ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso, que Dieu bénisse notre nation. Ouagadougou, le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Communiqué numéro 2. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0h, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou, le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Premier numéro de Une semaine à cette année 2022 et le 12e depuis le début de l'aventure. Pour ce mois de janvier, nous vous amenons à la découverte de Houndé.